Salut les amis et bienvenue dans Tone Factory, aujourd'hui avec la marque de guitare française Marceau Guitars. Marceau Guitars, c'est une marque qu'on connaît bien dans Tone Factory, puisqu'on est allé visiter l'usine Marceau il y a quelques temps. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet épisode sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Déferlante, le dernier modèle, la Déferlante, chez Marceau Guitars. Une guitare superbe que j'ai d'abord vue en photo. Je suis tombé sous le charme du design, largement inspiré d'une Fender mythique, la Jazz Master, bien sûr, Déferlante, Surf Music, les vagues, l'océan, vous l'aurez compris. Il y a un clin d'œil à tout ça de la part de Marceau Guitars, mais avec la patte du luthier, et ça c'est très cool. On va parler déjà pour commencer de la finition de cet instrument qui est absolument sublime. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment le top du top. On a vraiment l'impression d'avoir une guitare de série digne des plus grandes guitares de série, notamment Fender Jazzmaster, dont elle s'inspire, mais avec ce côté luthier en plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment faire votre guitare à la carte chez Marceau, et ça c'est très cool. Par exemple, juste avant de jouer de la musique, quelques petits détails. Ce vibrato, qui vous allez voir marche très bien d'ailleurs, vous pouvez ne pas le choisir par exemple et avoir tout simplement des cordes traversantes. Voilà, on peut choisir toutes les finitions qu'on veut, etc. etc. Ça c'est vraiment très cool et sans plus attendre, on va la faire sonner cette Déferlante Marceau Guitars. Qui a un sustain naturel étonnant, c'est une guitare qui résonne vraiment fort et très droite. Voilà, on peut l'amener vraiment sur plein de terrains, vous allez le voir par la suite de cette vidéo, c'est un vrai 4-4, hein. C'est, même si c'est marqué Jazz Master en termes de caractère, ce caractère-là ressort, c'est sûr, mais on est vraiment sur une guitare sur laquelle on peut tout faire et tout jouer, franchement, même des... Voilà, on va se désaccorder par la suite de la vidéo en drop D, etc. Ça marche extrêmement bien, notamment grâce à ce petit vibrato, je vous parlais de la résonance, mais... Voilà, on a ce vibrato type Jazzmaster ici qui marche super super bien, hyper agréable à utiliser, réglable, etc., etc. Je reviens un petit peu sur la finition aussi avant de passer à la suite, mais c'est vraiment un instrument magnifique qui m'a bluffé quand je l'ai sorti de l'étui. Le vernis est superbe, cette couleur est absolument sublime.
Alors parlons un petit peu de Lutry maintenant sur cette déferlante. Tout de suite il se passe un truc, on sent qu'on a vraiment une guitare haut de gamme entre les mains, c'est hyper agréable. Un corps en aulne, un manche en érable et une touche en pao ferro. Voilà, à la place du palissandre, c'est un bois qui est beaucoup utilisé maintenant, une touche magnifique d'ailleurs. Des bois qui sont donc sélectionnés, on l'avait vu à l'usine hein, avec Tom Marceau en direct, et c'était vraiment très très intéressant, c'était très instructif. On retrouve voilà, ça dans cette guitare. Des micros type Jazzmaster qui sont maison également, c'est des micros Marceau qui marchent super bien. Vous l'avez vu dans le jeu juste avant, on peut les amener dans les terrains voilà, avec des drop D, etc. Un petit peu de distorsion, voire plus. Vous pouvez faire bien plus extrême que ce que je viens de faire là sur mon Kelt Bluebird sans problème. C'est vraiment des micros qui passent partout pour tous les styles, du jazz au rock, au blues, au hard rock. Et plus si affinités, qui sont très clairs, même le micro grave, on sent que c'est un micro qui est très très clair, qui est très défini, qui est hyper agréable à jouer, et même quand on a la tonne à zéro, on entend toute la guitare, donc c'est vraiment, en plus d'être irréprochable en lutherie, irréprochable niveau électronique, cette déferlante. Et puis dernier point, ce vibrato qui est magique, ce vibrato type Jazzmaster, voilà, ça marche très très bien, on peut le régler un petit peu comme on veut aussi, en dureté, etc. C'est hyper agréable à utiliser un petit peu à la manière d'un Bixby, j'aime beaucoup ces vibratos, c'est très inspirant, on ne l'utilise pas comme un vibrato de Strat ou autre, et ça va très très bien avec cette guitare, évidemment, on peut le choisir avec ou sans cet instrument magnifique. Au niveau des mécaniques aussi, le top, hip shot à blocage, ça ne bouge pas. Bah pour vous donner un ordre d'idée, c'est très simple. Je l'ai sortie de l'étui, donc elle a voyagé cette guitare en étui, et elle est sortie accordée. Et depuis, je n'ai pas touché les mécaniques, même pour faire cette vidéo. Donc voilà, c'est parfait. Yeah.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais ravi de vous montrer cette nouvelle déferlante de chez Marceau Guitars, une guitare franchement très très réussie et fabriquée en France. Voilà, je l'ai pas dit dans cet épisode, entièrement fabriquée en France. Les micros et le corps. J'ai oublié de vous parler aussi de ce petit sélecteur, mais évidemment, on a un sélecteur pour passer d'un micro à l'autre, un grand classique. Voilà, une guitare très très intéressante qui va faire plein de choses qu'on vous invite à découvrir sur le site de Marceau Guitars entre autres. Et si vous avez la chance d'aller l'essayer, bah foncez, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt les amis, ciao.